Salut à tous les amis, ici Fanta, un problème dans ta tête, plus connu sous le nom de Fanta, et c'est le retour des vidéos du type Plague INC et simulateur de tuer ton patient, c'est à peu près pareil, sauf que cette fois-ci, on va détruire le monde, on va le détruire littéralement, et pas seulement sa population ou un individu quelconque. Je suis le mal, je suis le chef des Illuminati, et je vais te tuer. Nous allons dans le vrai monde en mode normal et il y a plusieurs challenges et plusieurs scénarios dans ce jeu. Actuellement, j'y joue sur iOS, mais il existe également sur Android. Et voici, entre guillemets, mon mentor, mon financeur, celui qui me demande de détruire le monde. Le chef des Illuminati, c'est moi, donc c'est mon second. Mais j'ai été élu à suffrage démocratique. Je m'en fous! Vous allez tous mourir et je ne perds rien. J'ai accès à une planète et on va devoir faire deux choses. D'un côté, détruire les villes, 33 villes, empêcher les gens de se sensibiliser pour le climat et récupérer un maximum d'argent pour pouvoir justement financer la pollution du monde. Voilà, donc on va aller d'abord, moi je dis, sur du profit, énormément de profit. On va 18 points en Amérique du Nord et on va tout récupérer. C'est ça qui est bon, mon gars. À partir de 2 degrés d'augmentation sur la planète, je pourrais balancer les catastrophes et détruire les villes les unes après les autres. Ok, vas-y, envoie l'argent. Donc là, vous voyez, j'ai Evil Corp qui est indiqué sur la carte. C'est là où je récupère mon argent. Ok, jusque-là, tout va bien. On va essayer d'étendre un petit peu à l'Amérique du Sud, peut-être, la possibilité de gagner des profits. Ça me permettrait de récupérer des petites boulettes sur les deux en même temps. Sans les perdre, bien sûr. J'ai besoin de tout le profit nécessaire. Vas-y. Alors pour l'instant, il faut savoir que j'ai déjà fait une tentative et j'ai échoué. Le monde résiste. C'est pas facile. C'est pas facile. Je sais pas si je vais y arriver. Mais maintenant, de mon expérience, j'ai une petite idée de quelle façon ça se joue. Attention, je vais bien me mettre en dézoom pour ne rater aucune pièce. Alors, toujours en Amérique du Nord, on va essayer d'augmenter davantage les profits. Et en Amérique du Sud, on va aussi continuer à essayer d'augmenter un maximum les profits dès que possible. Ça va être vraiment notre priorité. À partir du moment où on a l'argent, on peut faire ce qu'on veut, les amis. On peut faire tout ce qu'on veut. Le monde courra de lui-même à sa perte. Hop là. Voilà, mon gars. Et hop là, Amérique du Sud, on continue à faire du profit, on en fait plein. Le bois d'Amazonie, le poumon de la planète, des belles planches. C'est tellement rentable. Voilà, le rire de sadique et le silence qui tue quand même. Eh mais Fanta, c'est pas drôle, ne t'inquiète pas, quand tu verras le Groenland fondre, tu seras content. C'est dans pas longtemps, mon gars. C'est dans pas longtemps. Ok, on va continuer un petit peu, toujours dans cette... Alors, on va aller dans l'Europe, pour étendre un peu. Mais on va aller moins sur les profits et plus sur les émissions de CO2. Ah bah merde. Eh bah, écoute... export du pétrole. Ah, je peux pas, c'est 38. Ça pourrait être pas mal. Alors le fait que la planète soit ronde, ça rend quand même difficile la récolte. Ah là, j'ai un bon spot là, j'ai un bon spot. Pétrole, 38. Reçois mon pétrole. Ouais. Attention. Engin d'extraction, forte demande. Investir, ça me coûterait 10. Ça me coûterait 10. Ah ouais, mais il faut y l'atteindre le machin. Déforestation, engin d'extraction. Putain, c'est trop cher. Ok, on va essayer de récupérer l'argent et on verra. Parce qu'en fait, il faut que je débloque l'arbre jusque là-bas, en fait, et si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Bon, par contre, là, j'ai le spot. Là, j'ai le tiercé gagnant. J'ai le tiercé gagnant niveau thune, là. C'est la folie. Et tant que j'y suis... Vu que j'ai le tiercé gagnant, je vais continuer à investir en Europe. Pour du profit, surtout. Oh, les bagnoles.
C'est la logique, mon gars. C'est la logique. Hop, je récupère tout. Je ne rate aucune pièce. Ma vision sur la récupération de l'argent est totale. Alors c'est extrêmement important de faire ce que je suis en train de faire, faut pas croire. Le fait de ne rater aucune pièce fait partie de la stratégie du jeu, parce qu'en fait on va en avoir besoin, les amis. On va en avoir besoin pour investir dans ce truc à la con là. C'est quoi déjà qu'il voulait? C'est déjà fait ou pas? En Océanie là. Oh fuck, y a pas de pause? C'est trop tard hein. Je pense que c'est trop tard. Bon bah tant pis hein. Alors, on va continuer le trio gagnant. Hop. Et on va investir. Amérique du Nord. Toujours plus de profit, un peu d'émissions de CO2. Hein. On va aller dans les moteurs V8. Pour les maisons, un petit peu de profit quand même. En Europe, plus de profit. Là, ce sont des points bien dépensés, les amis. Le pétrole nous aura tous. Ces merveilleux dinosaures qui ont participé à une extinction de la planète après leur propre extinction. Le complot était machiavélique. Ils étaient tellement saltis. C'est de leur faute, en fait. C'est la faute aux dinosaures. Ils ont bien fait de mourir. Ils n'avaient pas qu'à laisser tout ce pétrole. Voilà. Et fuck it. Eh ben oui, c'est l'énergie fossile, mon gars. T'apprends des choses sur Fantabob Games. Tu crois quoi? Tu crois quoi? Cette blague est d'un niveau qui n'a rien à voir à faire. Sur la chaîne. Moi je dis... Putain, mais en fait je suis un cliqueur compulsif. What the fuck. Tiens, en parlant de clic compulsif, il faut que je revienne sur Chicken Assassin. Alors, on va continuer à faire du profit, surtout du profit. Pour l'instant. Et on va peut-être s'attaquer maintenant un petit peu à l'Afrique quand même. Profit quand même. Profit en Afrique. Plus de profit. Et c'est pas mal. Ah ouais, hein. Et maintenant, c'est sur 4. C'est sur 4 endroits, mon gars. Ah, putain. Oh, putain. Le magicien, quoi. Devenons riches et faisons péter tout ça. Je croirais dans une musique de Gladiator, en plus, tu vois. Ou même de Civilization. Attention, il y a une conscience du changement climatique. Je n'ai rien fait, pour l'instant on ne fait que gagner de l'argent, les amis. Qu'est-ce que vous croyez? Que je vais vraiment polluer le monde? Mais ce n'est pas du tout dans mon intention. Amérique du Sud, il manque de l'argent. Boum, émission. Boum. On va toujours importer davantage les profits que les missions. Waouh. L'export du fer en Amérique du Nord. C'est pas mal ça quand même. Hein. Merci pour le pognon. Merci pour le pognon. Je fais ça d'une main de maître. Oh, si vous aviez vu la précédente partie, il y a eu tellement d'actions. Il y a eu tellement de villes détruites. Mais là, il y a carrément un espoir de gain. Qu'est-ce qui me fait chier là, Casablanca, lui? Fait chier lui à Casablanca. Faut l'empêcher. Europe. C'est ici ou pas? Bim. Ouais, hein. Attention. Les points. Attends, il n'y en a plus en Amérique du Nord, donc c'est Europe. Comment ça se fait qu'il n'y en a plus? Et Afrique. Ok. Alors, Amérique du Nord. Amérique du Nord, il faut investir dans la propagande. Clairement. Et même avec tout ce qu'on a sous ça. Eh ouais, on en a rien à foutre. Rien à foutre. C'est quoi cette histoire de climat? On en a jamais entendu parler. Moi, je suis le lobby pétrolier. Et ma copine Hillary Clinton a dit... Attention! Qu'est-ce qu'ils font chier? Qu'est-ce qu'ils font chier? Des risques de catastrophes naturelles, c'est même pas vrai! Qui a dit ça? Qui a dit ça? Que ça va sur eux d'abord. Ok, c'est bon, on a des points. On a des points, alors n'oublions pas les amis. On va veiller quand même. Le projet de captage, c'est ASAS, c'est l'Asie. On va investir quand même un petit peu en Asie.
Juste pour dire, non, les mecs. Quoi, c'est pas eux? Attention! Ouais, la proposition de la COP de Casablanca échoue! Elle échoue! Des sous qui arrivent de partout. C'est bien d'investir en fait dans l'exportation. Ça te permet des revenus d'argent même quand... Ah putain, du CO2, ça y est, c'est parti! Les petites boules de CO2 que tu récupères te déclenchent des catastrophes naturelles, les amis. Alors, j'ai 90 et on va investir dans une industrie. On va aller en Europe. Investissement réussi. Oh, en Asie, mon gars. Et en Asie, on pourrait développer quelque chose, peut-être. Plus de profit. Il me faut 26. Et en fait, voilà, donc là, c'est de la... En fait, quand tu as mis en place un export, c'est une garantie de revenus définitif. Ce qui est extrêmement intéressant. Ok, c'est bon, ça. Oh, putain! Investir dans quoi? Avion privé? Ok, forte demande. Je sais pas si on a le temps. 32. Bon, là, il y a quand même pas mal de profit. Il me faudrait 37. Hop, j'essaye de bien tout récupérer. Hop. 37, je les ai pas encore. Je sais pas si ça va être bon. Je pense que c'est pas bon. Ah putain, 37! Investissement réussi. Boum! Ah, ils sont tellement bien, ce gouvernement d'Europe. Merci pour tout le pognon. Merci pour tout le pognon. Ah là là, putain, il y a tellement de fric. Tellement de fric. Je passe à côté. Je suis complètement concentré. Oh, en un seul mot. Hop. Alors maintenant, je pense que l'Afrique ne goûte pas assez en fait. L'Afrique ne paye pas assez cher. On va devoir investir dans l'Afrique. Afrique. Il faut que tu fasses du profit, mon gars. Profit non. Émission. Profit. Où c'est qu'il va y avoir du profit? Agriculture moderne. Bah écoute, on y va. Pan pan pan. Explore de fleurs. Export de fleurs, mon gars. Regarde ces revenus définitifs. Nous sommes installés sur une montagne pyramidale tandis que nous pouvons déclencher de catastrophes. Alors je ne le fais pas. Restez jusqu'au moment où je vais pouvoir les déclencher à mort. Et ne vous inquiétez pas, il va y avoir vraiment des catastrophes naturelles qui vont se déclencher dans un instant. Ça va pas tarder à arriver. J'assois juste ma puissance économique. Nous en avons 3 à utiliser. Hop là. Merde, c'est là-haut. C'est bien, continue à déforester tout ça. Ok. Ah putain, on dirait que ça a planté, qu'est-ce qui se passe? Oh, des catastrophes. Le Groenland. Eh ah, ben ouais, on t'avait prévenu, mon gars. Mais non, on s'en fout, on récupère le fric. Tiens, le ballon, ouais. Le ballon, ouais. Le fric, ouais, ouais. Pouh, les villes qui sont tombées. Ah là 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 là. Alors, la sensibilisation selon les régions. Parmi les sensibilisations vraiment sensibilisées, il y a l'Europe. Et je pense qu'il va falloir qu'on investisse directement sur l'Europe, puisqu'on ne voudrait pas se les mettre à dos. Pan ! Qui d'autre ? Sensibilisation région. Encore l'Europe, hein. L'Europe est très sensible. Ah non, c'est bon. 12 catastrophes naturelles à mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on détruit? Moi, j'ai rien envie de détruire pour le moment. C'est des endroits un peu inutiles, genre le Japon. Pourquoi? Pourquoi, Fanta? Parce que... Climat instable. Bon, j'investis dans des industries encore, hein.
ça va être la condition pour moi de gagner. Puisque c'est une source définitive d'argent. Attention, on va essayer de lutter contre ce qui se passe ici, à la COP. Comme un pacha, budget PC, Coupe du Monde. Oh, t'as pas pensé à ça, mon gars. Et si on détruisait cette ville? Ah, pas idéal. Paris, pas grave. Ok, très bien. Il me reste 45 points à investir. 45 points. Tandis que les catastrophes naturelles... J'ai détruit combien? Il me reste 26 à détruire. Pourquoi je ne peux pas toucher l'écran? Je ne peux pas toucher l'écran. Rime avec départ. Sature les médias de discussion sur le départ du pays de l'Europe. Ok, mais moi je préfère qu'on aille éventuellement en Asie. La sensibilisation devient un peu grande. Bon, je pense que on va pouvoir détruire quelques planètes. Enfin, quelques villes. Je ne peux plus tourner. Ah si, je peux. C'était ma main qui touchait l'écran. Ok, on va toucher une autre ville. Quelle autre ville à détruire, celle-là? On va détruire cette ville. Attention, le projet de captage de CO2 qui augmente. Alors, niveau industrie, on est plutôt florissant. Profit, mission, sensibilisation. Je pense que c'est l'Europe le plus chaud. Non, ça va. L'Asie. Il faudrait que j'arrive à investir en Asie pour ralentir encore le truc. Et ben, on va le faire. Après, on pourra aussi détruire l'Asie. Hein. Asie. Hop. Ouais, nous aussi, on peut polluer, mon gars. C'est pas parce que les États-Unis le font que nous, on va pas le faire. Hein. Pourquoi c'est toujours les mêmes qui s'en mettent plein les fouilles? Bon, maintenant, il va falloir détruire des planètes. Des villes. Celle-là est quand même... m'a l'air plutôt bien niquée. Attention, du fric, faut le récupérer. J'ai l'impression qu'on va pas y arriver. J'ai l'impression que c'est plus dur que je croyais encore. Malgré tous mes efforts. Allez, je crois que celle-là elle est un peu niquée comme ville. On va pouvoir l'achever, c'est bon, c'est réglé. Ok, on va essayer de pas tuer les villes portuaires quand même. Mexico! Tant pis pour le mur finalement. Alors on va investir des points. Ici c'est bon. Alors au niveau de la sensibilisation on est plutôt bien. Alors il nous faudrait plus d'émissions de CO2 ou de profit, j'en sais rien. Il me faudrait 33 points pour faire des exports de petits jets. Je suis preneur. Boum, les 33 points, ils sont là, mon gars. Allez, l'Europe, envoie-moi les jets. Alors, soit on s'en fout un peu de toi. Allez, boum. Catastrophe. 50 degrés. Ça, c'est du renouvellement de la populace. Hop, il me reste 23 villes à détruire. Ça va être difficile avec seulement... avec seulement 10 catastrophes. Lui, on l'achève. On récupère ici, on récupère là.
Ok, on récupère le CO2 qu'il y a ici. Je prends l'argent, le magnifique argent. Poum poum poum. Alors, celle-là a l'air quand même bien niquée, on va l'achever. Suivi de je ne sais qui a l'air... On va aller dans les villes vraiment bien niquées, quoi. Voilà, c'est quand même... Il faut avoir un petit peu de... Il faut les achever, quand même. Une catastrophe. Ouais, c'était évident, les mecs. Vous croyez quoi? Vous croyez vraiment que j'étais venu sans attention? Oh putain, le projet de captage! Scandale des emails! C'est bien. Personne n'a rien vu, personne n'a rien vu. Boum! Allez. Alors, 23 villes à détruire, ça... En fait, je ne tue aucune ville là. C'est la catastrophe. Hein. D'où les points augmentent tout seul. Hop. Allez, ici. Ici, je pense que c'est pas mal. Johannesburg. Putain, les enculés. On n'a rien fait chez eux. Tiens, c'est ça que tu veux? Envoie l'argent, Johannesburg. Ah non, je regarde Johannesburg à la place d'ici, mais quel con! Putain! L'Amérique du Sud! Qui va convaincre tout le monde! Ah mais je peux lancer une guerre? C'est pas mal ça. Waouh! C'était pas la petite guerre, hein. Boum! Bon, du coup, ça en fait un peu de moins à détruire quand même. Le monde à feu et à sang. Ouais, c'est vrai que c'est par ici qu'il y avait des trucs. Allez, on va investir. Ici, quoi? Tu veux quoi? Émission de CO2 ou profit? Moi, je dis profit, mon gars. Allez. Quelle concentration incroyable! Ah, l'Amérique du Sud, non! L'Afrique du Sud, non! L'Afrique du Sud, non. Ah, Johannesburg, hein? Johannesburg. Afrique du Sud... Poum! Sensibilisation, mon cul! Mon cul. Tiens, deuxième fois, là. Deux fois les 50 degrés. Comme ça, s'ils n'ont pas cuit la première fois. La première fois, c'est bon. Et là, le projet de captage, du coup, qui ralentit quand même. Mais en fait, je ne peux pas détruire 19 villes, c'est impossible. Je n'y arriverai pas. Tiens, on les finit parce qu'ils avaient une initiative bien dégueulasse quand même. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ok. La guerre. La guerre. Pouh. Détruite. Alors, ici, pourquoi pas. Ok, jusque là tout va bien. Les catastrophes, on les envoie. Il n'y a pas de souci. On les récupère. Allez, on va s'occuper d'eux ici. Ça pète quand même sur la carte. Alors, ensuite, là-haut. Moi je les achève, hein. Au moins je serais pas venu pour rien. Et vous non plus. On va voir le monde brûler, les amis. On envoie la guerre. A priori, la guerre c'est la phase finale, quoi. D'une ville, hein, je veux dire. Mais on voit là, c'est fini, Bogota. C'est fini. Donc en fait, t'envoies une catastrophe, tu déclenches la guerre. Et puis tu peux finir la ville. Ah ouais, non mais carrément, elle était finie tout court. Et dis donc, il y a de l'espoir alors. Allez, on prend tout l'argent qu'on peut.
Et on a rasé l'Amérique. On a rasé l'Amérique. Merde. Prends les sous, mon gars. Alors, maintenant. Investir, export. C'est bien aussi d'empêcher des trucs. Export du pétrole. Attention, les profits diminuent. Ok. 15, 29. Ok. Alors, moi, j'ai bien envie de finir... Bon, il faut plus regarder du côté de l'Américain. L'export, c'est fini. On déclare la guerre, ce sera fait. Ici, pourquoi pas. Hop là, hop là, hop là. On prend. Alors, ne détruisons pas tout, hein. Seulement ce qui n'a pas d'utilité pour nous. Allez. Ça m'a l'air bien le problème ici. Ça a l'air bien la merde. On récupère ça, les catastrophes. Oh, putain, on perd des. Attention, un coup de la guerre. Je les achève eux parce que il n'y a pas de raison. Là-bas aussi, début de la guerre, on envoie. Ok, c'est parti. Catastrophe. On va aller dans les endroits prêts à tomber déjà. Donc on a quasiment toute l'Europe de l'Est qui est déjà crevée en fait. Il nous reste encore ces enculés ici. Asie, Océanie. On peut pas investir dans les news, ça coûterait 20. Non mais ils sont nuls. Conférence de Sydney, et en fait c'est l'Afrique qui fait de la résistance. Donc si on veut investir en Afrique, ça nous coûterait 27. Ok, donc écoute, on va détruire des trucs encore. Ok. J'envoie, c'était pas le bon endroit. Je me suis planté, j'ai mis ce clic. Rien ne va plus. Non, c'est pas en Europe que je veux investir. Ah là 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 là, une catastrophe, il faut bien choisir. Madagascar. En fait, j'ai perdu, c'est obligé. Mais ils reprennent des points, c'est con. Antananarivo. Allez, Tana. Oh, la guerre. Ah, je suis pas parti comme ça, tu sais quoi. Je suis pas parti comme ça. Directement, Tana part avec moi, les gars. Bon, j'aurais épargné 8 villes. De mon mandat présidentiel, je pense que c'est quand même... Oh. Ouh. Ouh. Ben je t'invite à mettre quand même un petit pouce bleu. Parce que voilà, au moins ça te fera un défi. Tu ne verras pas ce que ça fait de gagner. Et peut-être que tu feras mieux. Donc voici pour Carbon Warfare. Donc dans la lignée des Plague INC. Avec différents niveaux de difficulté et scénarios. Et ben je vous remercie les amis de m'avoir suivi. Je vous fais des bisous, c'était Fanta. Et à une prochaine sur Fanta Bob Games.